Ma chère maman, le clip que tu vas voir, c'est sur les activités que je mène en ce moment à Déou. Tout d'abord, nous allons voir la formation d'accoucheuse à Déou même. Tu vois ici, il y a la sage-femme qui fait passer les images là. Et celle qui parle en ce moment, c'est la traductrice. Elle traduit du français en Fulfulde, langage des Peuls. Nous avons ici 8 accoucheuses. Une est absente. Tu vois, elle leur dit qu'il faut que les femmes enceintes soient bien propres, qu'elles lavent bien les habits, etc. Alors, dans le département dans Déou, le district sanitaire de Déou, il y a à l'heure actuelle 9 accoucheuses. Puis, dans le département de Boulikessi, il y en a 5. Et il y en a 3 dans le district sanitaire de Gandafabou. En tout, ça nous fait environ 18 accoucheuses. Alors, pour venir à ce recyclage, elles reçoivent 2 500 francs par jour pendant 5 jours. Donc, ça leur fait 12 500, ce qui est pas mal. Le jour où elles ont fait leur formation initiale, elles ont reçu 2 500 francs par jour pendant 10 jours, ce qui leur a fait 25 000 francs. Et ensuite, une fois par an, au moment de des périodes de famine, elles reçoivent un sac de 100 kilos de mil. Ce sont des aides assez conséquentes pour elles, hein, de sorte qu'elles sont satisfaites de faire ce travail qui n'est pas rémunéré régulièrement, mais au moins elles ont un soutien moral et financier. Tous les mois, Gisèle, là, les visite en moto. Et c'est le gars que tu as vu certainement derrière là, qui la pilote, quoi. Voilà, c'est notre coordinateur, il parle le peul, tu vois, c'est lui là derrière. Il parle le peul couramment. Donc, il peut traduire facilement. Il travaille avec nous depuis 1991. Donc, il y a une confiance qui est établie entre lui et la population. Tout le monde le connaît bien. C'est une garantie, morale, quoi. Voilà. Comme ça, si la femme accouche, la coucheuse doit habiller l'enfant en même temps, remettre à sa oui, tu vois, elles sont de différentes ethnies. Il y a des poulottes, il y a des bellas ici, il y a des moussis aussi. Alors maintenant, nous allons voir la formation initiale à Boulikessi. Bon, nous avions à l'origine 5 femmes. Il y en a une qui est malade, une sorte de maladie mentale, c'est des crises qui lui arrivent de temps en temps. Alors au début, elles étaient un peu timides, et puis elles sont devenues beaucoup plus relaxes. Et ça, c'est la dernière journée où elles passent une sorte d'examen pour voir si elles ont bien compris. Alors, moi, je les ai supervisées, j'ai fait un suivi de toutes les femmes. Vraiment, elles sont très fières de faire ce qu'elles font. Elles ont la confiance des autres femmes. Alors, chacune reçoit une caisse avec un bassin de lit. Puis il y a de l'alcool, il y a de l'eau de Javel. Il y a une caisse, une boîte d'accouchement qui contient des pinces, puis des ciseaux. Elle est très populaire. Et puis, il y a donc de la nivaquine, de l'acide folique que les femmes prennent.
au moment de la grossesse, de sorte que si elles tombent, si elles ont le palu, elles ne sont pas fatiguées au moment de l'accouchement, et puis les enfants se portent bien. Bon. En fait, ça a été reconnu, même les hommes se félicitent de ce programme. Alors ça, c'est la boîte d'accouchement. Ça contient des pinces, et les pinces pour pincer le cordon ombilical avant de le couper. Ça, c'est le stéthoscope obstétrique, n'est-ce pas, qu'elles utilisent au moment de au moment de la grossesse. Ça, ce sont deux poulottes. Elle est très tranchante. Ici, c'est une moussine. Elle aussi, c'est une foulcée. Elle est très populaire. Ça, c'est l'acide folique. Voilà, c'est numéro 1, notre ordinateur qui me demande si, lorsque elles ont fini leur acide folique, elles peuvent venir se ravitailler chez nous. Voilà, il leur explique le bassin de lit. Puis il doit y avoir du savon aussi. Voilà. Allez, je t'embrasse. J'espère que ça t'a intéressé.